notre prochain challenger. Est-ce que tu as regardé un petit peu du coup ce que c'était, tu as compris? Très peu, mais vas-y, bien sûr. En 60 secondes, je dois faire un défi à la con, allons-y. C'est exactement ça. Attends, je vais mettre de l'autre côté pour voir si ça passe. Mais excuse. Oui, c'est ça, je fais de la limite. Alors, je te prépare le petit matériel dont tu vas avoir besoin. C'est vraiment avec les objets du quotidien. Team récup, let's go. Que tout le monde peut avoir chez soi. Alors, la première épreuve s'intitule le morse. Je te présente le morse. Pourquoi le morse? Il a deux gros dents. J'ai vu. Et tu vas devoir te servir de ses baguettes comme mandibule pour attraper un chamallow. Oh. Venir le mettre à côté. Venir attraper un deuxième, le superposer. Trois chamallows, c'est ce qui est demandé pour valider cette épreuve. Tu as pour ceci une minute à réaliser. Alors il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Tu as le droit de réajuster tes mandibules à ta convenance tant qu'il n'y a pas de chamallow au bout. Tu as le droit de ramener les chamallows qui partiraient, qui veulent déserter. Par contre, interdiction de piquer le chamallow avec le... Voilà. Et le chrono commence. Je te donne le logo dès que ça part. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Mais... Alors ça, c'est interdit, typiquement. Tu perds du temps sur ton épreuve. Tu fais une disqualification, monsieur Bob Lennon. Ah, tu les amènes par deux. Non, mais c'est un concept, c'est un concept. C'est cool. Ah. Alors, le premier, t'as le droit de le... Il va falloir pouvoir poser les autres dessus quand même. Oui, c'est pas mal. Moi, je crois que t'as le move. Si t'arrives à faire ça avec un deuxième et à le placer sur l'autre. Deux fois, en fait, il tient pas. Si t'avais pas fait ta connerie du début, alors, je pense que tu mettais le deuxième. Objection, parce que quand bien même en faisant la connerie du début, en les plaçant de manière bien, ils tombaient quand même. Donc c'était improbable que je réussisse à le faire même avec. Avec ah non, 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 ils tiennent hein, quand tu les superposes. T'as bien vu que j'avais essayé et qu'ils étaient tombés aussi là. Si tu prends ton temps, ça tient. Voilà. Très bien, tant pis. Soit les choses qui arrivent, j'ai fait ce que j'ai pu. Ensuite. La deuxième épreuve s'appelle cuillère. Je l'ai vu, c'est celle que j'avais vue. Ah oui, c'était là que t'avais vu, très bien. Je te mets quand même la petite vidéo pour les gens qui arriveraient, qui se disent mais qu'est-ce qu'on fiche ici? Tu as besoin d'un verre, de deux cuillères, et ça fait un petit effet catapulte. Objectif, mettre une fois dedans. J'ai revu les expériences à la baisse. C'est possible, des gens y sont parvenus. Si ça rentre et que ça ressort, je te valide. Il y a même le compte, très bien. Oui, parce que c'est quand même du plastique, donc ça, c'est susceptible de rebondir. Juste, t'as pas le droit d'essayer de rattraper en bougeant le verre en même temps que tu lances. Bien sûr. Non, mais... Évidemment. Je dis ça, mais évidemment. Évidemment, bien sûr. Quand tu veux. Bah, quand le chrono a décidé, je te dis... Ça commence, le jeu commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il invente des épreuves, messieurs, dames. Je fais des objectifs secondaires, c'est pas pareil. Je vois ça, c'est... Il n'y a pas de quête secondaire, il n'y a pas de point bonus, mais c'est... Oh, c'est pas mal ça. On sent qu'on s'en rapproche. Il manque pas grand chose en vrai. Il manque de la chance. Bon, de la chance, une petite trajectoire. Il manque de la chance. Il manque juste de la loc. Hein. Juste de la loc, mais je trouve que t'as le geste en tout cas, t'as le geste. On sent qu'il y a une petite expérience avec les petites cuillères peut-être. 10 secondes. 10, 9, 8, pas de pression. Hein. 7, 6, 5, 4. Oh, ça touche. 4, 3, 2, 1. Oh, dégoûté. Oh, c'est fini. Elle est rentrée, elle est touchée au plat. Mais non, là je ne peux pas valider, je ne peux pas la valider, dommage.
Mais bien tenté. Quand c'est même. Juste de la luck. En parlant de luck, la dernière épreuve s'appelle Cookie. Et celle-là, tu l'as peut-être pas vue. Salutations, Barbe. Pourquoi ça s'appelle Cookie? Parce que tu as un très beau visage, doté de muscles. Tu sais, pour les expressions, avec un cookie sur le front, sur le visage, sur les mains, et bien évidemment, en utilisant les muscles de ton visage. C'est tout à fait possible, Zoulou y est parvenu comme un chef. Et juste avant toi, on avait Justin qui est également parvenu à le faire. Mets-toi à l'aise, je vais te lancer le chrono. Alors il fait quelques petites miettes parce qu'il a pas trop aimé le truc, je te dis quand le créneau commence. 3, 2, 1, 0. Il y a quelqu'un qui me dit il n'y a que les chauves qui ont réussi et je ne peux pas vous contredire. Alors là la technique c'est vraiment de la douceur, essayer de le faire tomber un peu en cache-œil de pirate. Ensuite céder de l'aile du nez en faisant tourner la tête un petit peu sur le côté. Je te donne quelques petites astuces. Hein. Ouais. Ah, c'est la dégringolade. Il va tenter le skill de le rattraper. Si franchement, la dans l'œil. Si t'y arrives comme ça, ce serait. Non, elle tombe sur le côté, en fait, GG Wellbe. Non, vraiment, la strat, c'est de le faire passer par l'œil. De le faire passer par l'œil et en douceur. Tu vas aller trop vite. Oui. Attends. Essaye de le choper. Oh, pis. Oui. Ah, je l'avais. Putain. En vrai, il y a un monde où il y arrive. Oh, mais c'est bon, il réduit de taille. Il réduit de taille. Il a tout cassé. Zéro, c'est fini. Ouais, mon vrai couille. On est en train de faire des dégustations. Ah, il a tout cassé, le cookie. Juste après le cookie, c'est chaud quand même.